Bonjour à tous, nous allons voir avec le logiciel Pinag comment utiliser un thème. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un thème? Un thème avec Pinag va vous permettre de mettre en appétit votre interlocuteur. C'est-à-dire que vous aurez des petits aperçus des lieux ou des endroits où vous aurez été. Et bien vous êtes prêts? À tout de suite! Donc nous voici de nouveau dans notre logiciel Pinacle. Hein. J'ai deux petites séquences vidéo déjà prêtes à être montées. Donc ici sur votre gauche, on va aller sur afficher les thèmes de montage. Donc je clique. Par défaut, hein, généralement c'est ancien journal qui apparaît. En appuyant sur la petite flèche au-dessus là, vous allez avoir toute une liste qui va apparaître. Hein, vous pouvez avoir bébé, mais aussi un sport. Voilà. Moi, je vais me contenter de l'ancien journal. Ça me plaît pas mal, ce genre de choses. Je vais prendre ce petit modèle-là qui me convient. Donc, une fois qu'on a sélectionné le modèle, on laisse cliquer gauche avec la souris et on va l'envoyer vers notre table de montage. Donc j'appuie et tout en haut vous avez pu percevoir que vous avez 6 petites cases. Donc ça peut être un aperçu de vos vidéos, mais ça peut être des photos. Hein, moi je vais aller dans photos et je vais faire glisser mes petites photos. Toc, par exemple. Donc ça c'est fait. Donc vous voyez, hein, c'est très simple, hein, il suffit de venir prendre la photo. Si je m'aperçois que j'ai pas pris la bonne et que c'est une autre que je voulais mettre, alors là le logiciel est en train de calculer, hein, vous voyez ici. Donc le logiciel a fini de calculer. Donc comme je disais, hein, donc, si on veut changer notre image et la remettre, il suffit de revenir en mettre une autre. Là, mon logiciel de nouveau se remet à calculer. Donc, pour visionner ce qui va se passer à l'écran, hein, donc ici, je mets bien au début, et là, je vais faire lecture. Et voilà, ça nous donne l'aspect d'un vieux livre. Je vais arrêter ici. Si cette partie là vous paraît trop petite, hein, il suffit de venir entre les deux séquences. Là je vais pouvoir agrandir ma séquence. Là je vais venir me repositionner au début et hein, le logiciel va réeffectuer son calcul. Et là, la séquence va aller beaucoup plus lentement. Voilà. Il va venir travailler tranquillement sur l'une des séquences. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.